Ça, c'est l'écran titre qui reste nostalgique. Bon, bref, sur ce, bonjour à tous, c'est Monsieur Madness 02. Et donc, on est ici pour le défi numéro 120. Et comme vous l'avez vu, ça sera sur celui qui est de Kulz. Et donc là, je perds pas de temps, je lance direct, parce que bon, en ce moment, ça fait à peu près la 17ème fois que je refais la vidéo. Non, je déconne, ça va faire au moins une bonne dizaine de fois que je recommence cette vidéo, parce que vu à chaque fois que j'ai pas mal de problèmes... Donc là, je perds pas de temps. Et donc, pour la peine, je lance cache le chronomètre parce que je suis comme ça. Et donc, bon, comme je vous disais, le jeu, ça se déroulera sur Sonic & Knuckles, hein, un jeu sorti sur Mega Drive en 94, hein, peu de temps après Sonic 3. Et évidemment, bah, c'est la suite de Sonic 3, hein. Et bah, développé par Sonic Team et édité par Sega, évidemment. Un jeu de plateforme comme les autres Sonic. Et donc, je vais vous parler un petit peu du défi que je vais devoir faire. Et bah, je vais devoir, vu que ça fait au moins une bonne dizaine de fois que je recommence la vidéo, hein, parce que le défi que je fais, bah, il est pas très facile, hein, j'ai envie de dire. Ouais, parce que mon l'objectif que j'ai à faire, c'est de terminer bah, le jeu avec Knuckles en récupérant toutes les Chaos Emeraudes, le tout en moins de 50 minutes. Donc, vous imaginez un peu le bordel que ça fait. Déjà, j'ai déjà obtenu le premier stage bonus parce qu'en fait, je sais plus ce que je voulais dire, ouais, parce que bon, ça fait quand même au moins la bonne dizaine de fois que je recommence la vidéo, donc à chaque fois je perds mes mots. Donc, le défi évidemment, putain, je perds mes mots, fais chier. Voilà, ouais, ça c'est le fait de retourner au moins une bonne dizaine de fois le jeu. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Ah oui! Donc, sachez que ce défi-là, ça fait depuis plus de deux semaines à peu près que j'y suis dessus, en fait. Oui, c'est pas des conneries. Parce que... Bon, bien sûr, je suis pas H24 sur le jour sur le même jeu, mais bon... Des fois, de temps en temps, pendant mes vacances, bah... Je m'entraînais un petit peu par-ci par-là, où je commençais déjà à faire quelques tournages, mais bon, des fois ça ratait, hein, parce que chaque fois il me manquait quelque chose, je coupais soit les Chaos Emeralds, soit je me tapais un game over de merde. Bon, moi j'ai déjà une Chaos Emerald. Donc, sachant que pendant cette semaine, ces deux semaines-là, pendant que j'ai fait ça, bah, j'étais en vacances. Enfin, je suis en vacances, là, au moment où je tourne la vidéo, j'en suis, bah. À ma dernière semaine de vacances, bon, j'ai eu 3 semaines parce que mon restaurant faisait fermeture annuelle, enfin pour les congés. Donc là, en ce moment, c'est ma dernière semaine. Donc ce serait bien, c'est que pendant cette semaine, je réussisse ce putain de fucking défi. Donc voilà. Et donc, bah, pendant ces périodes, j'ai quand même vu que ce défi-là, bah. Ça va être un défi quand même assez hard. J'ai pas hésité à quand même analyser bah, un peu partout sur les sites et tout pour savoir où se trouvent bah, tous les stages bonus qui sont planqués en fait. Parce que ouais, les stages bonus évidemment dans Sonic et Knuckles, bah, c'est comme dans le 3, ils sont bah, cachés derrière des murs, des trucs comme ça. Et qu'évidemment, les stages bonus de Sonic et Knuckles sont exactement les mêmes que Sonic 3. Sauf que bah, la différence, c'est que bah, c'est les stages bonus qui sont pas vraiment les mêmes. Mais le principe, ça reste les mêmes. On est dans un birne comme ça en semi-3D. Va falloir récupérer des boules bleues et non pas des boules rouges parce que sinon, c'est perdu. Tout en faisant gaffe aux bumpers, parce que si en touchant les bumpers, bah, ça nous fait faire du Michael Jackson. Donc voilà. Hop là.
Les dernières sont ici, comme ça je récupère la deuxième Chaos Emerald. Voilà. Ah oui, aussi, je tiens à vous préciser un petit truc que je vais vous dire, vu que c'est les premiers niveaux, parce que bon, vu que c'est le plus simple. Au moment où, là où vous regardez cette vidéo, sachez que ce défi que je suis en train de réaliser, c'est le dernier défi de la chaîne. Oui, je ne dis pas de conneries, c'est bel et bien, cette vidéo, c'est bel et bien le dernier défi de la chaîne. Bon, bien sûr, je tiens à vous rassurer, je ne vais pas arrêter YouTube tout de suite. Ah non, 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 non. Non, c'est juste que après, je vais arrêter de faire des vidéos défis tout simplement parce que j'en ai marre en fin de compte. J'en ai marre parce que déjà dans un premier temps, c'est toujours des fois la même chose à chaque fois. C'est un peu le même syndrome que j'avais eu avec les let's play en fait. Parce qu'à chaque fois pareil, j'avais arrêté les let's play parce que ça me faisait chier. C'était toujours à chaque fois la même chose. Là c'est pareil, j'ai décidé je vais arrêter les défis parce que c'est toujours la même chose à chaque fois. Je m'ennuie à faire toujours le même contenu. Et donc voilà déjà pour la première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai plus trop d'idées à trouver des objectifs de défi. Bon, je sais qu'en ce moment, récemment, j'ai obtenu mon boîtier pour pouvoir enregistrer les jeux sur Switch, Wii U et sur Wii. Hein. Donc voilà. Donc ça, je vais pas abandonner de faire des vidéos. Mais c'est juste que j'ai plus trop d'idées à chaque fois parce que... Déjà, sachez que pour trouver un objectif de défi, c'est la galère. Parce que déjà, faut déjà que je trouve le jeu. Et en plus, si c'est des jeux old school auxquels je peux choper des sauvegardes sur internet à l'arrière, ok, comme Zelda ou des trucs comme ça, ou les jeux en 2D, ça peut aller. Mais pour les jeux next, les jeux, que ce soit sur GameCube, Wii U, Switch, pour trouver des objectifs de défi, c'est la galère parce que si jamais faut que je crée une nouvelle partie à chaque fois pour faire ça pour le défi. J'ai pas trop le temps en fait pour pouvoir faire ça parce que déjà avec le boulot, ça me réduit mon temps. Et déjà d'un, et de deux, vu que depuis ces derniers temps, comme vous le savez, je suis dans la communauté Splatoon Garry's Mod, donc je fais des images et tout le bazar. Parce que c'est une passion que j'aime bien, faire des images comme ça, et que je vais continuer à en faire pour le fun. Et c'est juste que sur YouTube, j'ai plus trop d'idées en ce moment pour faire des défis. Bon, c'est la raison pour laquelle que je vais décider d'arrêter les défis. Mais bon, je tiens à vous rassurer, la chaîne YouTube ne sera pas morte. Je n'effacerai pas la chaîne ni les vidéos, elles seront toutes là comme d'habitude. Mais c'est juste que après ce défi là que vous regardez, je vais certainement faire une pause. Ouais, parce que j'en ai vraiment besoin de faire une pause. Parce que sachez que la dernière fois que j'étais parti en vacances, ça remonte à longtemps en fait. Je crois que ça remonte à l'époque. Je crois que c'était en 2000. Je sais plus si c'était en 2014 ou en 2013. Je sais plus. Non, je crois que c'était en 2014. Ouais, c'était en 2014. J'étais parti en vacances. Bon, évidemment, j'avais préparé des vidéos en avance pour les planifier et tout pour leur pour leur sortie. Et c'est juste que après, malgré ça, depuis, j'ai pas fait une seule pause. Surtout que depuis que j'ai chopé du boulot, c'est encore plus compliqué pour moi de faire des vidéos, sachant que je suis limité à 2 jours la semaine de repos, comme tout le monde. Donc, et surtout que j'ai envie de passer un peu plus de temps à faire autre chose qu'à faire des vidéos. Donc voilà, de toute façon, certains youtubeurs sont souvent dans ces cas-là. Donc j'espère que vous me comprenez le pourquoi j'ai décidé d'arrêter de faire des vidéos défis. Mais je vous rassure,
la chaîne YouTube ne mourra pas. Parce que j'ai quelques nouveaux projets que je prévois de faire. Bon, là, j'ai pas trop parlé parce que j'étais assez concentré, parce que là, c'était plus hard, là. Mais bon, j'ai réussi à avoir la quatrième Chaos Emerald, c'est parfait. Et donc, bien sûr, pendant cette pause, de toute façon, je prévoirai quelques projets, évidemment, que je prévois de faire dans les futures vidéos, hein, évidemment. Déjà, je pense que je ferai des vidéos tutoriales sur Garry's Mod, un petit peu, bah, comme j'avais fait ma vidéo « Comment faire une Inkling adulte bah, » qui a marché du feu de Dieu, hein, j'ai envie de dire. Et je pense que je vais refaire ce genre de vidéo là, ce genre de vidéo en fait. Après, il y a beaucoup de gens qui m'ont quand même posé la question, des gens de l'international, pour me dire « Est-ce que tu pourrais quand même commenter ce genre de vidéo ?» Voyez-vous, le truc, j'aimerais bien commenter. Mais par contre, le problème, c'est que ça risquerait d'être en français. Et vu que, bah... moi, bon, j'ai quand même quelques notions en anglais, hein, évidemment. Mais c'est juste que, bah... je prendrais plus de temps à parler, à essayer de trouver mes mots en anglais qu'en français, en fait. Donc, je verrai. Je pense que les vidéos, je les ferai en je les commenterai en français. Et puis, je mettrai peut-être les sous-titres en anglais. Je verrai. Je pense que, ouais, je ferai comme ça. Je ferai comme ça. Après, je referai certainement peut-être quelques vidéos en multi sur certains jeux. Sur Switch, hein, genre Splatoon 2. Enfin, je ferai certainement des vidéos peut-être de Salmon Run, des trucs du genre. À voir. Pour le moment, ça reste à confirmer. Et bon, je les ferai évidemment pas tout seul. Peut-être je les ferai en commentaire avec certaines personnes. Hein, parce que c'est plus drôle quand on est à plusieurs. Et puis, peut-être quelques vidéos en multi, en mode random. Soit du Smash, soit du Mario Kart. D'autres conneries comme ça. Ça dépend. Ça dépend vraiment de ce que j'ai à faire, parce que bon, ça reste à réfléchir. Et peut-être que je referai des vidéos aussi comme les défis trolls, mais un petit peu plus posées, c'est-à-dire pas d'objectif derrière, auquel je pourrais carrément me lâcher gratuitement sur le jeu, hein, sans même me retenir à cause d'un objectif et tout. Je referai des petits jeux trolls. Bon, par contre, les vidéos que je prévoirai de faire pour ces jeux trolls, il y aura des fois quelques petites coupures vite fait, mais avec quelques... pour que je garderai certainement juste les meilleurs moments en fait, à voir. Et j'ajouterai quelques petits trucs pour rendre la vidéo plus amusante, des petits effets spéciaux genre quand je rage, des trucs comme ça. Donc voilà, un petit peu ce que je prévois de faire à l'avenir de la chaîne, en fait. Et je vous rassure, de toute façon, après, je continuerai à faire des vidéos. Et c'est juste que j'ai vraiment besoin de faire une pause. Parce que j'ai plein de choses que j'ai à faire. Déjà qu'avec le boulot, c'est pas évident de faire des vidéos. Donc, les vidéos des Fidjack, ça prend beaucoup de temps. Mais bon, je verrai de toute façon. Et peut-être limite, parce que bon, vu qu'évidemment, je fais du Splatoon 2 aussi entre-temps, je ferai certainement peut-être je participerai peut-être au Splatfest, si je peux. Hein, j'enregistrerai le Splatfest. Ça dépend. Bon, bien sûr, ce que je vous dis, c'est apprendre avec des pincettes. Parce que il y aura certains trucs que je vais faire, d'autres que je vais pas faire. Donc ça dépend vraiment de ma motivation, en fait. Donc voilà, c'était juste la petite info de l'avenir de la chaîne. De toute façon, fallait bien que j'en parle à un moment donné, parce que à la base, je devais le faire en live, mais
j'avais trop la flemme en fait. J'avais trop la flemme, j'avais tout un tas de choses à faire. Donc je préfère vous le dire en vidéo tout de suite, comme ça au moins c'est chose dite, chose faite. Donc voilà. Bon, après avoir parlé un peu de l'avenir de la chaîne, je pense qu'on va repartir sur le jeu, hein, parce que bon, il faut bien. Sachant qu'on est bientôt rendu à 15 minutes. Pas déjà 15 minutes. Ça fait déjà un bon paquet de temps. Bon, encore, ça va. Les niveaux avec Knuckles dans Sonic et Knuckles, ça va, il n'y en a pas beaucoup comparé à Sonic. Parce que je m'en rappelle, parce que je sais qu'avec Sonic, dans Sonic et Knuckles, il y a déjà un peu plus de niveaux. Parce que bon, je sais que là, il y a Mushroom Hill, il y a Flying Battery, il y a Sandopolis, et le Lavarif avec les deux actes. Sauf que dans l'acte 2 de Lavarif, avec Sonic, il y a un boss. Et avec Knuckles, bah, il n'y en a pas. Il conduit directement au Hidden Palace, qui emmène directement au Sky Sanctuary, pour affronter le boss final en fait. Et alors qu'avec Sonic, on affronte dans Hidden Palace Knuckles, Sky Sanctuary c'est directement un niveau auquel on affronte un boss aussi, et puis après on attaque les deux actes du Dead Egg, et après le boss final. Donc avec Sonic c'est beaucoup plus long, c'est bien plus long et un peu plus difficile. Donc c'est pour ça que je préfère le faire avec Knuckles. Donc voilà. Là je récupère les anneaux. Parce que je sais que les anneaux c'est important. Ça me permet de pouvoir gagner une vie. Parce qu'en faisant un perfect, j'obtiens 50 000 points. Et que tous les 50 000 points, je gagne une vie supplémentaire. On sait jamais. Bon au moins, ce qui est bien, j'ai toutes les Chaos Emeralds. Ça va, j'ai eu du bol. J'ai eu du bol. Bon là ce qui serait bien maintenant, c'est de pas trop perdre de temps. Mais bon, je joue quand même des fois un peu la sécurité, on sait jamais, parce que bon, là ça va niveau du temps, je suis plutôt bien. Je suis plutôt bien. Oui, maintenant je sais que je peux devenir Super Knuckles. Ouais, maintenant que j'ai toutes les Chaos Emeralds, je peux devenir Super Knuckles. Bon, évidemment pour l'activer, il faut que je sois en... que j'aille au moins... 80, non pas 80, mais plus de 50 anneaux pour l'activer. Bon, si je l'active, ce sera plus des fois pour des mesures d'urgence pour le moment. Parce que sinon, ce sera trop facile. Hop. Allez, nouveau boss. Bon, lui, ça va, il est simple parce que bon, vu que j'ai le bouclier de feu, je suis protégé de ces attaques de feu là qui. De ces propulseurs. Ils ne vont plus pas m'infliger de dégâts. Allez hop, tiens tout mouvement ta gueule. Allez hop, et dans ta gueule. Voilà, ça c'est fait. Le deuxième boss est vaincu, et donc on aura terminé. J'en ai terminé avec Mushroom Hill. Voilà. Et donc je fais sa pose de victoire, parce qu'il est content. Hop là. Tiens, aussi, pendant que je vous en parle, pour ceux qui connaissent pas Sonic et Knuckles, bon... Ne vous occupez pas du bruit de la machine à laver qui arrive. Non, je déconne, c'est pas le bruit de la machine à laver, mais c'est la forteresse d'Eggman qui fait du boucan. Sauf que là, l'ennemi qu'on affronte, c'est pas le docteur Eggman, mais c'est un robot d'Eggman, hein, avec Knuckles. Donc que je vous parle un peu de Sonic et Knuckles, en fait, c'est pas... On sait que, pour ceux qui connaissent pas, Sonic et Knuckles, en fait, c'est pas une cartouche comme les autres, il s'agit d'un... une cartouche d'extension en fait, c'est à dire que c'est une cartouche spéciale dans laquelle on peut ajouter une autre cartouche en fait. C'est dans cette cartouche qu'on peut mettre genre Sonic 1, Sonic 2 et Sonic 3. Et je sais que déjà dans Sonic 2 on peut refaire les stages de Sonic 1 et 2 avec Knuckles, et dans Sonic 3 et ben on peut faire tous les stages de Sonic 3 et de Sonic et Knuckles en même temps. C'est un truc plus... C'est bien qu'on concept hein, qu'ils ont fait. Et donc voilà. Donc là, on sait que le scénario de façon de Sonic et Knuckles, c'est la suite de Sonic 3. On sait que le Dead Egg, bah, il s'est cassé la gueule hein, après depuis Sonic 3. Et depuis, bah, c'est là que Knuckles et Sonic, bah,
ont décidé de faire la paix après de s'être... Parce qu'en fait, Knuckles, bah, il travaillait pour Eggman. Enfin, il travaillait juste parce que Eggman lui a raconté du chantage, comme d'habitude, en disant que Sonic, c'est une menace pour son île et tout. Et, il va te voler les émeraudes et tout. Et donc, Knuckles, hein, bête comme il est, bah, il a été berné par Eggman. Mais bon, là, dans Sonic et Knuckles, l'avantage pour jouer avec Knuckles, c'est que là, l'histoire, c'est un peu différente. Parce que là, Knuckles, notre objectif, c'est carrément d'arrêter Eggman pour l'empêcher de récupérer la Master Emerald, qui est le cœur même de Angel Island. Là, j'attends ceci parce que c'est un petit passage pratique. Ouais, parce que je connais quelques raccourcis que je vais prendre. Je peux pas me faire chier, comme ça au moins ça me permet d'avancer un petit peu plus vite. Il pousse. Et en même temps, ce qui est bien, c'est qu'avec les rings, les gros rings, j'ai plus besoin de faire les stages bonus. Il me donne 50 anneaux, comme ça au moins je suis bien équipé si jamais je veux me refaire de la vie. Et donc bien sûr, Knuckles, évidemment, hein, on sait qu'il a une palette de mouvements un petit peu similaire à Sonic, mais avec quelques trucs différents comparé à lui. Parce que Knuckles, l'avantage, c'est que lui, il n'a pas besoin de se mettre en boule pour pouvoir casser les murs, en fait. Il les fait avec ses poings. Et aussi, l'avantage, c'est qu'il peut planer pendant un petit moment. Et aussi, grimper au mur. Allez, hop. Il est temps d'affronter le boss. Tac, pas très compliqué. Donc à faire, c'est juste faire ça. Il faut 10 coups dans sa gueule. Allez hop. Voilà. Rien de compliqué. Là. Allez, viens là. Voilà. Et il est mort, comme ça c'est fait. Je vais jouer avec le poignot. Ouais, parce que ça, il peut me donner des trucs. Hop là. Ouais, parce que comme d'hab, quand on fait jouer avec le panneau comme dans Sonic Sonic 3, eh ben on peut gagner des petits bonus en plus. Voilà, ça c'est fait. Ça, je prends le bouclier. C'est pas de refus. Allez hop. Yolo Michael. Voilà Michael Jackson. Et en plus, il y en a un autre là, bouclier. Hop. Ça m'évite comme ça. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'avec Knuckles, au moins, c'est pratique quand il grimpe les murs. Comme ça, ça évite de refaire les trucs de demi-tube à chaque fois pour faire des allers-retours à chaque fois. Ça, c'est chiant déjà, ne serait-ce qu'avec Sonic. L'avantage avec Knuckles, c'est qu'au moins, on n'a pas besoin de faire ces trucs-là à chaque fois. Par contre, je passe gaffe avec ça parce que ça peut me instant kill ces espèces d'ascenseurs. Allez. Allez hop, voilà, tac, faire gaffe au feu parce que ça fait mal. Allez hop, voilà, on avance par ici. Ouais, aussi, pendant que j'avance vite fait sur stage, je tiens aussi à m'excuser pour ce qui s'est passé lors du défi extrême numéro 100. Parce qu'après, c'est vrai que je tiens quand même un petit peu à m'excuser pour ce qui s'était passé. Bon. Je sais que Mega Enchant 16, il avait complètement rage-kick parce que à chaque fois, il n'arrêtait pas de perdre. Mais bon, c'est vrai que lui... quand il rage sur un jeu, il a tendance des fois à rage quitte, parce que après, c'est vrai que d'une part, c'est vrai que j'ai quand même de la skill. En fait, j'aime bien quand dire c'est vrai au milieu de mes phrases. Et la luck, les CPU, ils en avaient toujours après sa gueule, en fait. Ouais. Et donc, puisque à la base, on devait terminer le défi
extrême. Mais sauf que bah Megage il a pas voulu en fait, parce que bon, il en avait marre, il a vite fait baisser les bras en disant que ouais, c'était mort, de toute façon t'as 100 points d'avance comparé à moi, donc évidemment je peux pas te rattraper. Bon, après rien n'était encore perdu, mais bon. Donc c'était juste une petite excuse pour son comportement qu'il avait eu lors du dernier défi extrême. Bon. Si jamais il refait de façon des vidéos avec moi la prochaine fois, bah, il aura intérêt à tenir sa langue, parce que là, regarde que là, ça va aller mal. Enfin, tenir sa langue, qu'il rage-quitte pas comme un gros satanas, alors qu'on l'a même pas encore fini. Donc voilà. Hop. Tac, on esquive ça. Bon, je tiens à vous préciser, c'est pas le boss ce truc-là, c'est juste une petite phase vite fait. Qui est pas très compliqué à faire. Ah, parce que là le boss ça va être juste après. J'ai juste un passage à passer auquel il faut que je me manie le cul. Parce que sinon bah le passage il va se refermer. Et je ne pourrai pas pouvoir passer. Donc voilà. Là je suis obligé d'attendre que la plateforme ici remonte. Hop. Ah, parce qu'en fait, le truc qui s'effondre, c'est en fait la forteresse volante d'Eggman. Qui est en train de se péter la gueule, parce qu'on a tout fait péter. Bon. Pour le moment, au niveau du temps, ouais, ça peut aller. On a déjà fait à peu près plus de la moitié. Allez, hop. Il apparaît ici, toi, Eggman. Ah, parce que là, maintenant, Eggman, il est pas content. Ouais. Tiens, dans ta gueule. Hop là. Moi, je peux faire deux coups, parce que là... Faut que je fasse gaffe au sol. Faut que je fasse gaffe. Au lance-flamme. Ça, je sais plus parler. Ah, c'est le fait d'avoir recommencé à chaque fois une bonne dizaine de fois la vidéo en fait. C'est pour ça. Allez hop, tiens. Bouffe ça. Hop, on esquive. Tac. Voilà, ça c'est fait. Bon, là ce niveau est terminé, donc on est peinard. Par contre, ce que je redoute le plus, ça va être surtout bah, le prochain stage qu'on va faire. Bon, pas l'acte 1, mais plus l'acte 2 en fait, parce que l'acte 2 de Sandopolis que je vais aller faire, bah c'est un stage labyrinthique en fait. Et donc c'est un peu bah, le bordel. C'est pour ça que tout à l'heure, pendant ces longues semaines, j'ai continué à check par-ci par-là les maps des niveaux pour pouvoir tout analyser, pour me dire quel est le chemin le plus optimal à prendre. Donc voilà. Hop hop hop. On va passer par ici. Hop, juste pour récupérer plus d'anneaux. Parce que je préfère garder... Vous voyez, je sais que je préfère garder ça, parce que plus d'anneaux, c'est au cas où si j'ai besoin d'appuyer sur le bouton rouge pour bah, sortir le Super Knuckles. Je suis jamais à l'abri de ça. Donc voilà. Allez hop. On monte par là. Et parce que pour le faire, faut que j'appuie deux fois sur A pour pouvoir... activer le Super Knuckles. Bon, par contre, c'est un temps limité aussi, hein, comme Super Sonic. Mais bon, pour le moment, je le fais pas tout de suite, parce que... C'est pas tout de suite. Bon, là, je sais qu'il y a un petit passage caché. Hop là, comme ça, je veux de la vie. Je dis pas non pour de la vie. Bon, je sais que j'en ai 20, donc là, je suis peinard. Oh là. Tu vois pas, stupide connasse de... Scorpion, connard scorpion. Allez hop. Vraiment tout va bien. Pas trop de difficultés. Par contre je passe par là. Allez hop. Miam miam, je vous fais ça. Ça au moins.
ça me refait un petit peu plus d'anneaux. Et en plus, surtout que ça m'a permis de revoir une vie gratuite. Allez hop. On descend par là. Pour pousser le bloc qui est là. Pas obligé parce que là, il y a les sables mouvants ici. Hop. Voilà. On sait que les sables mouvants, c'est dangereux. Et hop. Attention au pic, parce que je sais que ça peut me one-shot, ces connards. Le pic. Même si je suis super knuckle, je sais qu'ils peuvent me tuer. Autant que je me méfie. Là. Petit raccourci en plus. Bon, là, c'est pas un raccourci, là. C'est le passage officiel. Il faut que je prenne par là. Allez, hop. Voilà. Comme ça, c'est fait. Pour le moment, tout va bien. Et au niveau du temps, bah, il nous reste encore plus que 20 minutes. Donc, j'ai envie de dire que pour le moment, ça va encore. Attends, je fais pas de fail pour le moment. C'est le principal. Allez, hop. Passe. Allez, saute. Hop. Putain, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais pas activer le Super Knuckles. Je voulais juste faire, saut planer comme ça pour pouvoir sauter, pour récupérer un petit anneau comme ça. Vite fait. Avant d'aller au boss. Mais, je sais pas, le bouton a décidé de fail. Il avait décidé de pas faire le... de planer. À la place, il a décidé d'activer le Super Knuckles. Bon, pas grave. De toute façon, le boss qu'il a, il est pas si compliqué que ça. Il ne demande pas de faire des coups pour pouvoir le faire. Juste à le laisser avancer comme ça. Ouais, et c'est long à faire. Allez, dépêche. Dépêche, gros sac de pierre. Allez, avance, pierre à feu. Et je sais que c'était nul ce que j'ai dit, pierre à feu. Allez, hop, on se met là. Hop, tu te retournes. Et je te pousse. Cache dans le sable mouvant. Ça, c'est fait. Allez, hop. Allez, de la vie gratuite, c'est cool. Et on a Knuckles Got Through. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'avec les rings que j'ai récupérés, ça me refait de la vie gratuite. Je ne dis pas non. En plus, il y en a une autre ici, que j'ai récupérée grâce au panneau. Bon, voilà. C'est de ça dont je vous parlais tout à l'heure, en fait. Le stage 2 de Sandopolis, qui est un vrai labyrinthe. Parce que déjà, entre les fantômes qui font chier la nuit... Et qu'en plus, bah, ils peuvent te faire des dégâts. Donc c'est la merde. Le seul moyen, c'est d'activer les lumières. C'est le seul truc qui est à peu près casse-couille du niveau. Et surtout aussi que c'est un labyrinthe, hein, faut pas déconner. Parce que ces gars, ils aiment mettre des labyrinthes dans leur jeu Sonic. Hein. Hop. Avance Knuckles, comme ça récupère des anneaux. Si jamais je veux activer le Super Knuckles au cas où. Et je me suis encore gouré. J'ai dit que je voulais pas activer le Super Knuckles de suite. Putain, je sais pas ce qui se passe. Je voulais juste faire un simple saut comme ça, quoi. Juste planer. Je sais pas pourquoi à chaque fois, Knuckles, il décide de se transformer comme ça, cache en Super Knuckles. Ouais, je suis invincible, ça je sais, mais bon, hein, de base, je voulais pas l'activer. On va dépêchant. Tout ça. Avant que le truc ferme. Bon, ta gueule, fantôme. C'était juste quand même. Et hop. On pousse encore le levier, parce que ouais, y a toujours plein de leviers.
dans ce niveau pour les activer, pour pouvoir activer une porte et qui risque de se refermer si jamais je me mène pas le cul. Donc voilà. Et hop, donc là-haut, checkpoint. C'est bien, vous revenez les fantômes, non, pour me faire chier, je m'en fous, de toute façon je suis invincible. Et hop, tellement pratique de grimper avec Knuckles, tu vas deux fois plus vite. Ça évite d'attendre à chaque fois, comparé à Sonic, parce que je suis sûr qu'avec Sonic j'aurais dû attendre pendant un moment. Un levier à la noix ici. Là, je m'en fous des fantômes. Je m'en fous complètement des fantômes. Voilà, dégagé. Là. Tiens. Un peu plus de vitesse, comme ça au moins je vais pouvoir monter, avancer plus vite. Hop, 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 dépêche. Encore un levier. Voilà. C'est bon. Bon, ça va, ils ferment lentement les leviers. Mais par contre, il y en aura certains là tout à l'heure qui vont se fermer beaucoup plus vite. Et c'est là qu'il va falloir que je me mène le cul. Voilà, genre ce levier là. Ça, ces leviers là vont être assez casse-pieds. Et hop. Bon, ce qui est bien, c'est que je peux marcher sur les pics. En mode fuck, hein. J'emmerde les sauts. Par contre, pas tomber dans les sables mouvants. Parce que même en Super Knuckle, je peux crever. Hop là. Bon. Là, il me reste encore dans les 15 minutes à peu près. Avant la fin du chrono. Donc ça va encore. Allez hop, on descend, on descend, on accélère, parce qu'on est des ouf. Allez hop, on active la lumière. Bon, je sais que celui-là, c'est un piège. Parce que je m'étais fait avoir bêtement plusieurs fois à chaque fois ce genre de passage, dans lequel il faut que déjà que je pousse le... je fasse... faire tomber du sable pour pousser ce bloc pour pouvoir faire office de bloqueur sur le levier. Et ça, c'est assez relou. Et hop, voilà. Ça, ça le bloque et je peux passer plus facilement. Et ça, c'est vrai que c'est un des trucs qui est assez chiant. Dans ce passage du niveau, hop, je reprends des anneaux. Là, normalement, je pense que j'arrive au boss. Voilà, c'est bon. N'empêche, ça prend quand même 5 minutes ce niveau. Mais bon, 5 minutes, c'est quand même long dans un jeu Sonic. Sachant que bah, t'es limité à 10 minutes. Hein. 10 minutes pour faire le niveau. Donc vous voyez un petit peu que pour Sonic et Knuckles, le Sandopolis Acte 2, c'est un peu la galère. Mais bon, au moins c'est fait. Maintenant j'attaque la zone 1 de la Varif. Donc normalement je suis pas très loin de la fin. Enfin, pas très loin. Il me reste encore deux actes à faire dans ce niveau avant d'aller à la fin. Moi je me casse pas le cul à prendre le passage officiel. Passe plus haut. Là. Tac. Ça, ça m'ouvre un autre passage. Hop là. Et qui est moins galère. Et que ça va me permettre de gagner plus de temps. Donc, on a toujours cette même putain de foreuse qui fait chier. Et je l'ai buté. Comme ça, moi, c'est plus chier. Et ça permet de gagner de la vie. Allez hop, continue, un spin dash ici pour faire monter l'ascenseur, un miam, de la
des atouts de plus, comme ça au moins, si je veux activer le Super Knuckles. Hop là, et de la vie en plus, comme ça au moins. Je dis pas non. Allez hop. Tac, on avance. Sans gaffe au bout de feu. Et aux espèces de billes serpents pointus. Enfin, c'est pas des serpents, c'est plus des vers, les trucs. Hop, un bouclier électrique. Là, j'ai fait exprès de l'activer le Super Knuckles, parce que bon, hein, j'avais envie. D'abord, bien sûr, je tiens à vous dire que le Super Knuckles, je ne peux pas l'activer quand je serai le boss final, en fait. Donc, voilà. Hop. On va passer par là. Voilà. Je pète ça. Pour j'ai de la Viratos, ça c'est bien. Hop. Tac, on marche sur la lave parce qu'on est des ouf. Si on est invincible, on en a rien à cirer. Allez hop, on se dépêche, parce que là il reste plus de 10 minutes. Sachant qu'on est déjà à l'acte. Cet acte là et voilà allez boss time. Il y a la couche de bouffier, tac tac, et je lui pète ça, hop, tac tac. Ça c'est fait. Allez, mène-toi tes trucs. Que je les explose. Voilà. Reste plus que ta petite main. Bon, enfin, c'est pas trop une main, c'est plus une tapette à mouche, ce truc. Mais c'est bon. Hein. Hop là, bouf. Merci. Pour le bouclier, c'est gentil. Tintin. Excusez, moi, si je renifle un peu, c'est juste que je suis un peu malade en fait. Bon, j'ai dû rechoper encore une crève, quelque chose du genre. Allez. Non, on arrive à l'Avarif acte 2. Donc ça, dans ce passage-là, il faudra juste que je fasse gaffe des fois pour me faire écraser. C'est surtout ça, parce qu'il y a beaucoup de passages dans ce niveau dans lequel je peux me faire écraser. Et donc, faut que j'évite de me faire écraser, parce que si je me fais écraser, je meurs direct. Même si j'ai un bouclier ou si je suis en Super Knuckles, autant pas tenter le diable. Allez, on dégage ça. Allez, hop. On saute ici. Les anneaux. Putain. C'est joué à un pixel quand même pour monter. Et hop, on casse les rochers, on avance. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'avec le bouclier de feu, au moins, je peux passer à travers les lance-flammes. Mais bon, moi, je vais aller beaucoup plus vite. Je vais en mode Super Knuckles, comme ça, au moins, j'avance plus vite. Parce que bon, il reste peut-être qu'il reste encore un peu de temps, mais bon, hein, je préfère pas trop la trader. Surtout si je suis face au boss final. Parce que si jamais je dois fail, ça va être un petit peu chiant. Bon, ça va, de toute façon, le boss final, il est pas très long. Pareil à Sonic 3. Il est moins long à faire avec Knuckles. Déjà que le boss final de Sonic et Knuckles avec Sonic, il est plus long aussi. Et bien plus casse-pied à battre. Donc c'est mieux que je joue, que je fais le défi avec Knuckles. Parce que ça va plus vite. Là, c'est bien. On peut passer nickel. Tac, tac. Je vole comme un cinglé. Tout en s'épuisant comme un fou.
Voilà, voilà au Hidden Palace. De toute façon, le Hidden Palace ne sert absolument à rien, ce niveau. J'ai juste à avancer comme ça, et hop, je prends le téléporteur. Pour aller à Sky Sanctuary Zone. Et hop, là, me voilà arrivé. Ah voilà notre ami, le robot qui fait chier. Mais bon, là, c'est l'heure du boss final. Et c'est Mikasa Geek. Hop là. Qui explose totalement le robot, hein. Parce qu'il a aucun respect, hein, pour les autres robots, hein. En même temps, c'est Mikasa Geek. Il aime pas les robots des Eggman. Malgré qu'il a été conçu par Eggman. Lui-même. Et hop. Tac, tac. Voilà, c'est parfait. Bon, bien sûr, c'est pas fini. Il a une deuxième phase, ce fumier. Parce qu'il fait du slide. Et il va shipper, il va utiliser le pouvoir de la Master Emerald pour devenir super méca Sonic. Moi aussi, je peux devenir super. Mais sauf que Knuckles, il a la flemme pour le faire. Mais bon, de toute façon, c'est limité. Parce que bon, la Master Emerald, elle demande quand même... elle est plus puissante que les Chaos Emeralds, sauf que son pouvoir, bah, est un peu plus limité. À un temps. Et tiens. Tac. Voilà. Et il est mort. Et donc voilà. Donc dans tous les cas, j'ai fini le jeu avec toutes les Chaos Emeralds. Et en moins de 50 minutes, vu qu'il reste encore à peu près plus de 5, presque plus de 5 minutes, 5 minutes, voire moins, 4 minutes dans le chrono. Donc dans tous les cas, le défi est réussi. Et donc là, je commence à en avoir assez là, parce que vu que ça fait depuis au moins une bonne dizaine de fois que j'y tournais sans cesse ce défi, donc là, cette prise là, c'est la bonne. Donc je la garde. Voilà. Hop. Bon. Ah, je pense que là, il va être temps d'achever la vidéo. De toute façon, je vous ai à peu près tout dit de... que là, je vais faire une pause là des vidéos et que je reprendrai en faisant, comme je vous l'avais dit, quelques vidéos tuto sur Garry's Mod en montrant comment je fais pour telle image et peut-être des vidéos en multi et puis quelques jeux trolls, voilà, je verrai bien. De toute façon, je vous assure, je suis toujours actif, hein, je reste actif sur les réseaux sociaux, Twitter, DeviantArt, Steam et tout. Et même vous pouvez me parler vite fait dans les commentaires aussi, comme d'hab. Comme d'hab, de toute façon, les liens des réseaux sociaux, comme si vous jamais voulez me suivre, sont dans la description de la vidéo. Donc voilà. Et puis aussi, c'est vrai que je tiens à vous remercier d'avoir suivi tous ces défis que j'ai effectués. Hein, parce que j'en ai fait un total à peu près plus de... 361 défis. Ouais, j'ai fait les comptes. J'ai fait les comptes. Et je vous dis, ça en fait beaucoup. Ça en fait vraiment beaucoup. Ouais. Sachant que ça fait depuis presque 5 ans que je suis sur YouTube. Donc ça fait quand même un bon paquet. Et donc, comme d'hab, évidemment... Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir et à le faire partager aux autres. Et puis qui sait, hein, si jamais il y a des gens que vous connaissez pas, qui connaissent pas cette chaîne, vous pouvez direct mettre le lien de ma chaîne pour qu'ils aillent voir mes vidéos défis que j'ai fait, let's play et tout. Et si jamais ils veulent me parler, hein, je suis disponible sur les réseaux sociaux et tout, comme d'habitude. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour ces vidéos défis. Et je tiens à vous rassurer, là, je fais une pause pendant un moment, mais je reviendrai. Ça, je peux vous le dire. Je ne sais pas quand, mais je reviendrai avec du contenu un peu plus léger. Bon, évidemment, les dates de sortie des vidéos
ce sera un petit peu random, donc hein, ne vous attendez pas à ce que j'aille un planning, hein, comme vous l'avez vu. Donc voilà. Bon. Sur ce, c'est avec ces images que je vous dis à tous à bientôt et portez-vous bien. Allez, salut à tous. Ciao, bye bye.